de métal. Détendez-vous, m'arrête devant l'écran de chargement. Ok. J'ai pas eu l'écran de chargement. Oh, j'ai pas eu le temps de voir quoi. Wow. Heureusement que j'ai un PC. Ah, le papier qui est aussi, il est énorme. Énorme, c'est grave, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, y'a les chasseurs. J'adore l'écran de chargement. Les chasseurs. J'aime beaucoup, ouais. Spoiler. C'est pas les inconnus en bas à droite. T'es un mec qui est colonel. Moi aussi, je suis colonel. On est tous colonels. En bas à gauche, on a dit moi dans un hélico. Quelqu'un a trouvé les bouchons auditifs? Ouais, oui, il ouais, y en a dans la petite pièce. Ah ici. Entendu, ici, ok, ici. Merci. Ouh, ah, vous êtes tous beaux. T'as vu ça? Sur un DLC, ouais. Ouais, bah oui, c'est. Ouais, c'est bon, c'est DLC ça. Ouais, c'est pour ça. Je me la pète. Bon, moi je me mets à l'air. Par contre, prenez pas les trucs. Enfin, pas les trucs. Ça fait un peu kiki, je pouvais pas le prendre. Si j'ai de l'argent, je me paye le même costume. C'est vrai. Kevin, je m'achète le même fringue et je suis kiki dans la rue. Ah oui. Alors, monsieur Lipo, que faisons-nous? Bien, messieurs, nous nous regroupons dans le hangar à l'ouest. Quand on lui a pris vie. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, c'était pour être sûr parce que. J'ai l'impression que personne m'a entendu depuis tout à l'heure. Si, mais tout le monde s'en fout apparemment. Allez, tout le monde dans le hangar! Ah ouais! C'est quoi déjà pour se mettre un copie? Shift pourcentage. T'es trop loin, on t'entend pas! On t'entend pas! Très bien, oh là là. On va devoir libérer un médecin dans une ville. Il va falloir deux équipes. Donc deux leaders. Tu reviens dans les rangs, Frisbee. Attends, faut que je fasse un petit screen. Hop là. Ok, il va me falloir deux leaders. Donc que deux leaders se dévouent et avancent de 10 pas. C'est beaucoup de 10 pas. Que l'espion avance de 10 pas. Et non, j'en choisis. Vas-y, Kedrin. Qui a dénoncé son camarade Kedrin? Bon bah Kedrin, t'avances. Quoi? Non, c'est Chiri qui m'a vendu. Ah, c'est un sniper, c'est pas... Ouais, non mais ouais. On s'en fiche de l'armement, vous allez en choisir un après. Et l'espion, c'est quoi son job alors? Kedrin! L'espion qui reste à copain. Ouais, copain allez, non, même s'il est pas volontaire, tu vas pas l'obliger, gros. Non, c'est pas volontaire. Non mais il m'en faut quand même. Et non, je prends le S habituel, genre frisbee. Présent. Bah voilà. Et non. Allez hop, si, parce que sinon on bougera pas. Allez, allez. Allez, vas-y, frisbee. 10, c'est trop pour moi. Il m'en faut un autre. Ouais. Frisbee, je trouve qu'il est un peu trop enthousiaste. À mon avis, c'est un espion. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faudrait se méfier des volontaires. Ok, ouais. Peut-être. Oh, on va pas faire ça comme à l'école, chacun. Vous, Frisbee, tu t'éloignes de Azukesu. La chose là. Azukesu. Après Zukero. Après Zukero, Azukesu. Voilà. Et donc chacun va choisir son leader. Donc vous mettez derrière lui. Question chef. Bordel, ça peut être équilibré. Les rôles spéciaux du genre médecin et pilote. On se classe séparé en deux les médecins. Un médecin à chaque côté. Ah, on t'a mis en plein milieu, ceux qui étaient à gauche et vont à droite. Ah, c'est qui est-ce Oli Pro. Oui. Moi, vu que je suis médecin, pilote, je me mets où? Non, c'est à ce que pour l'instant, trouve-toi un leader, après on va mélanger un peu. 2, 4, 6, 8. C'est l'air équilibré. Je n'entends pas. Ouais, ok. Dans ce groupe-là, est-ce qu'on a un médic? Pardon. C'est splendide, les deux médics sont foutus. Est-ce qu'on a un médic? On a un médic. C'est qui le médic chez moi là? Ah d'accord, c'est bon, on en a parlé. C'est Kedrin, non? Au moins. Non, non. Mais t'as pas de sac à dos. Quoi, t'as un sac? Je suis pilote. Ah bah c'est, j'ai chopé dans une caisse. Eh hey, chef, j'ai pas de médic. Allez, file ton sac à dos. Ok, tu peux t'arrêter de se garer par là. Tout le monde descend.
Ok, Frock et Gift, vous restez avec moi, quoi qu'il arrive. Okay. Séparez-vous du groupe, s'il vous plaît. Kedrin, Raven, ouais. Et Leclerc. Ouais. C'est ça qui me manquait avant. Ça fait un groupe. Et Fennec, Froggy, Wolf, Frock et Mystery, ça fait un autre groupe. Non. Radio. Ah d'accord. Ouais, je okay. Ok. Bon, vu notre armement, on va être l'assaut. C'est on va passer fort. Sniper et batteuse, à mon avis, nous on va rester derrière. Donc j'ai un anti-char. Ok, tout le monde est parti. Alors on va rediviser un peu les groupes. Ça fait on va faire Echo et Kilo. Ah non, c'est un peu trop près. On va faire Echo et... Echo et... Zulu et Anki. Et Zulu, ouais. Echo et Zulu. Echo, c'est le groupe à Kedrin. Kedrin, t'es le chef là-dedans. Et Zulu, Echo, okay. Zulu, c'est le groupe à Fennec. Fennec, t'es le chef là-dedans. Et nous, on est Echo. Ok. Ça Echo. Va bien bon, on va tous partir. Le groupe Echo... Alors, le groupe Zulu est derrière le groupe Echo. On part à Zimut 140. Et le groupe support qui passe devant. Ouais. Non. Zulu devant, Echo derrière. C'est ça. À l'azimut 140, il y a un dénivelé, ça remonte de l'autre côté, on s'arrête sur la ligne de crête. Ok. Ok, donc nous dans la formation de Leclerc, tu passeras devant. Alpha bien reçu. Bon, nous on est le groupe. Ouais, Alpha bien reçu, je t'écoute. On laisse passer les compagnons. Bon, on y va là. Nous on est le groupe qui te renifle. Ok, bien reçu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc commandement a dit qu'on pouvait commencer, que Bravo est en position. Ok. Je suis Frisbee. Ouais, c'est ça. Faites un losange. Bon, on y va. Ouais, ouais, cours pas comme un dingue. J'ai un pote à côté si vous entendez des conneries. Petit rappel à tout le monde, vous avez un espion dans l'eau, donc le moindre geste, situation bizarre, vous le remontez au chef. Ah putain. Et quand je dis chef, c'est moi le chef. Que je joue très bien. Au niveau de la crête, Zulu prendra la droite, Echo la gauche. Et on s'arrête et on se met en ligne et on observe la ville. T'es un bon. Bah oui. J'arrive pas à regarder moi. Ouais. 500, 600 mètres. Un petit groupe. Ok, je les vois. Le 3-4 entre les maisons avec les bords bleus. Je les vois pas du tout par rapport au minaret. C'est avant ou après le minaret? Ouais, je avant, c'est une maison avec des bords. Ah putain, j'ai ok, vu. Là, ils sont sur la droite d'un autre bâtiment un peu plus en haut. Ouais, je les vois. Moi j'en vois deux. Y'en a que deux ou y'en a plus? Pour moi j'en vois 8. J'en ai vu 10 en tout, 10. 4. Et y'en a qui en voient 10 là, hein. Donc à mon avis y'a le peuple. Ouais.
Ok, je crois que tu passes l'info au commandement pour qu'il passe l'info à coup. Sur le toit, il n'y a pas de Donc ennemi. Alpha présence... commandement, on a une présence ennemie, environ 10 hommes dans la ville, terminé. En plein centre. Ouais, mais le groupe de droite, ils envoient une dizaine donc. Ouais, ouais, plein centre tiré parce qu'il y a les baraques à la droite un peu. C'est vraiment très intéressant. Position, pop. J'ai pas de vecteur, moi. Du 100, 123. Je pense que c'est 123. Alpha commandement, ils sont groupés environ au premier tiers de la ville, donc en 100 et 23. Vas-y, t'as un visi sur Akou, toi? Sur Akou? Non. Non, il avait pas, toi, celui-là. La commandement qui demande si on peut faire un appui, Frisbee. Ça bouge, j'en ai vu un courir. Ouais, ils ont bougé, mais ils se sont regroupés en fait. Ouais, quand ils sont plus dans la formation. Kenrin, vous sentez prêt pour un appui d'ici ou pas? Ça vient à quelque chose, là, on les a en visuel, mais on les voit pas complètement. On pourra essayer, ouais. Depuis la droite, vous avez un meilleur vue. Ouais, ici Alpha est reçu, on étudie la situation, en contact. Kevin, déplace-toi sur la droite, prends la place à Fennec. Fennec, pour l'instant vous poussez, mais jusqu'à allez, azimut 110, 120, vous poussez, mais vous dépassez pas la crête pour l'instant. Ok. Je lui dis que c'est ok ou qu'on envoie un... Froc pour le commandement, groupe support en attente et les hommes en visu, mais dès que ça bougera... Oui. Ah putain, comment lui dire? Il faut que tu fasses un résumé de tout ce que je vais te dire. Que tout simplement que dès que ça bougera, on n'aura plus aucun visu, donc on va supporter au début, mais après on pourra plus rien faire. Ceci étant, on a un groupe d'assaut qui sera à 200 mètres de l'objectif en cas de problème. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Ah maintenant... Ok. On envoie... On. Ça bouge, on n'a plus... distance. Et or, c'est là-bas. Alpha commandement, donc on garde un groupe support à qui est un visu sur le groupe d'assaillants, le groupe d'ennemis. On pourra supporter au début, dès que ça va bouger, on n'aura plus de visu. Néanmoins, on envoie une équipe d'assaut qui sera à 200 mètres de l'objectif en cas de soucis. Oui, voilà, par la pile. On a la fenêtre là-haut. Un ami, pourquoi? Ça va pas le faire. Le mieux pour toi, ce serait on est trop, on était 4-5, je m'en fous, mais là ça va pas le faire. Moi, oui. Ouais, c'est celui que je vois le plus. Ok, bien reçu. De quoi, qu'est-ce que tu fais ça, en plus, ça va pas le faire, je sais pas si tu me parles, je sais pas à qui tu parles, je sais pas. Excuse, j'avais cru, je croyais que j'avais micro en off, je me suis bourré. Ok, pas de soucis. Ouais, surtout si le mec à la fenêtre il s'en sort tranquille et tout, et qu'après il fume par derrière. Toi aussi t'as un Vitores machin, c'est pas hyper précis, mais à la rigueur tu peux faire groupe d'appui. Ils sont vachement loin. D'ici là? Ouais. Ok, ça marche. Ouais. À côté c'est avec les autres bonus. Bah normalement t'as une bonne lunette avec hein. Ouais je peux tirer Mais franchement la lunette moi je sais pas comment elle marche. C'est un peu chaud patate. Un frisbee? Ouais. Je sais pas s'il y a quelqu'un avec un vector dans l'équipe par hasard. Non, il n'y en avait pas dans les cas. Donc on va commencer l'opération, on va commencer à les avoir en visu. Alors il y a un petit peu de vent qui va vers la droite. Ok, je vous vois pour l'instant, vous patientez. Là, les mecs ils sont à 500 mètres, 600 mètres, je dirais moi. Ouais, 500, je pense. J'en ai 500 mètres. Ça fait 1, 2, 3. 3 fois racine de 2, ça fait combien? Visé vachement haut, moi, avec la M16. On sait rien. Ouais, c'est distance 6, non? Ah non, mais ça fait 500 mètres, ouais. Non, ça doit être à peu près 500 mètres. Avec le Vintores, tu peux estimer la distance avec une échelle, on va. C'est la meilleure M16 parce que la A2 elle est sympa, mais ça vaut pas la A4 quoi. T'as entendu Frisbee? Ouais, il faut que tu te dises à Froc si t'as pas. Ok, autant ça que la A1 quoi. T'as dit quoi, Gift? Avec la lunette de ton Vintores. Ouais. Zulu, vous pouvez progresser jusqu'à la ligne de crête à rigueur en vous couchant. Ouais, mais c'est pas le même que le SVD. Pour avoir au moins un visu sur le premier bâtiment, mais pas plus. Alors en fait, t'as une échelle en bas, tu vois la grosse barre. Ouais, j'ai 2, 3 et 1,7. Voilà, et t'as 4 à droite. Normalement. Ah ouais, je multiplie, d'accord.
Non, en fait, tu multiplies pas, tu regardes ton mec. Ouais, comment il mesure? Voilà, tu regardes sur l'échelle, par exemple, si il est la moitié Froc de là où il y a pour écrit commandement 4, c'est présence mètres, de d'ennemis dans les bâtiments aussi. D'accord. En fait, la hauteur sur la lunette, ça indique, par exemple, s'il était à Zulu, faites gaffe, à 70 mètres, il serait dans les la hauteur de la plus grande échelle. Ah d'accord, ok, je comprends. Parce attends, que je transmets si par que... Attends, hop. À la fin du commandement, on a aussi des présences d'ennemis dans les bâtiments. Voilà, terminé. Des bouchons ou pas les mecs? Moi j'en ai un. Ah sinon j'ai un autre contact là, je vois sa tête dépasser. Zulu de Alpha Leader, est-ce en fait, que vous pourrez engager si ça bouge devant vous avec le toit un peu détruit. Entre on peut engager, après de confirmer si on peut toucher sa cible, ça c'est différent. Par contre ils sont en mouvement rapide là. Ouais donc okay, ils sont à 500 mètres quoi, ça fait 3,7. Froc pour commandement ça commence à bouger, faut qu'on s'active. Ouais, le groupe de bravo, 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 part dans une minute là. Ok. Raven, je tiens prêt à tirer si jamais. Zulu, restez en stand-by sans ordre contraire, vous tirez pas. De quoi? Non, je crois qu'il se barre. Le reçu, bon, en attendant, ils sont sans Alpha, commandement, ça commence à bouger dans la ville. Faudra terminer. Essaye de juger à peu près la distance. Ouais, bon, ça a l'air 506. Ok, bien reçu, terminé. Généralement, le pointeur d'une arme, c'est réglé sur 300 mètres, et généralement, enfin quoi. Faut monter un peu, quoi. Non mais là tu peux régler là, le truc. Froc ils sont où Bravo pardon. Je sais pas ils vont me dire là. Ils t'ont dit la non ils t'ont pas donné la position avant. Ouais. Une demande. En fait tout Bravo c'est... Alpha commandement, est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées de Bravo et par où ils attaquent, terminé. Kedrin, garde tes cibles dans la lunette, si ça doit chauffer faut que tu sois prêt à tirer, faut pas que tu... Frisbee 96, ouais. 96 23. Ah ouais, il loin. Rentre par l'est. Il rentre par l'est. Ouais, ouais, ils sont encore à 200 mètres de la ville. Ok, bien reçu, terminé. Pour information ah, Zulu, groupe Al Bravo à 200 mètres de l'entrée de la ville en 96 23 pour l'instant. Du coup, Gift, le premier chevron, c'est la première donnée sur ma lunette, quoi. Ouais, j'ai un chevron, ça correspond. Frisbee, je veux bien, mais a priori, il y a des ennemis juste à l'entrée. You got it. Merde. Reçu. Froc, apparemment, il y a des ennemis juste à l'entrée. À l'est? Ouais, ouest. Ouest. Zulu, on part bien de l'entrée ouest de la ville. Exact. Confirmé. Ah bon. La Frisbee? Si on voit quelqu'un qui tue volontairement le docteur, on là-bas sur le champ, non? Oui. Ok. Froc, t'as passé l'info pour les ennemis à l'entrée de la ville? Non, je la passe. Et le commandement est derrière, je vais dire direct. Donc Raven, toi t'es ici, là, engager, ce sera le groupe d'ennemis. Pour info, il y a des ennemis apparemment à l'entrée de la ville, Fennec il me dit. Je sais pas où. À l'entrée? Ouais. D'accord. Bon. Fennec, tu peux être un poil plus précis pour les mecs à l'entrée de la ville? Plus de 3, ils sont dans ta. Écoute, est-ce que tu vois. Alors j'en ai un en entrée de ville sur un toit, après te donner un azimut, t'en auras pas le même. Pour moi, il est en 160, peut-être pour toi, il sera dans les 110, 120 en entrée de ville. Ouais, ils sont vraiment à l'entrée de la ville sur les bâtiments a priori. Ok. Il y en a un ou deux hein, mais il y en a. Ouais. Voilà. Ok. S'il y a des urgences d'ennemis à repérer, tu n'es pas obligé de passer par moi. En tout cas pour les urgences. Mais bah de toute façon à coup il reçoit, hein. Après l'autre s'il a besoin de retransmettre, il retransmet. Oui voilà, oui. Voilà. Oui non bah c'est vrai qu'il reçoit de toute façon. Enfin ouais, je sais pas qui est son radio chez lui, mais il doit recevoir. C'est Tony. Ok.
C'est qui le mec debout là? Merci. Frog, pour les urgences, tu passes pas par le commandement, tu vas directement chez Tony qui est le radio de Bravo. Ok. Edrin, pourquoi tu parlais du médecin en disant que j'allais mourir? Tu me stresses. De quoi? Ça tire. Et si on voit quelqu'un tirer sur le médecin, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu des tirs à l'est, la position de Bravo là. L'est? Aucun. J'ai eu aucun. Ils ont pas l'air de s'énerver. Moi j'ai entendu 3-4 tirs, bon, c'est autre chose, mais ça ressemble bien à des tirs de calage quoi. Rien du tout. Peut-être rêvé. Bon. Je les vois même pas, Bravo, je sais pas où ils sont. Ils sont juste à l'entrée de la ville, là, regarde, tu les vois courir. Côté droit de la route. S'ils devaient être engagés, je parle bien des mecs qui sont au centre de la ville, les 10 mecs qui sont au centre de la ville. Si Bravo est engagé, vous avez autorisation de faire feu sans mon ordre. D'accord. Ok. Mais seulement si ces mecs-là commencent à répliquer. Hein. S'ils sont engagés ailleurs et ça bouge pas, on fait rien. Pas dévoiler notre position, pas tout de suite. Putain, j'espère qu'il a pas mis 46 missions, Silver, parce que on a déjà passé 2 heures sur celle-là. Kedrin, tu vois le mec qui est dans la baraque, juste oui. Derrière les... Tu le vois, lui? Je vois, ouais, il est... Premier étage. Il est à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur de la baraque, ouais, je le vois. Ouais. Tu penses pouvoir le toucher d'une ou deux balles? C'était ma cible prioritaire. Ok, moi si c'est ta cible prioritaire, ça me va. Parce que vu que j'ai un mitrailleur, je vais pas... Enfin, je vais pas tirer dans le tas, quoi. Je préfère abattre ceux qui sont à côté. Non, mais tu descends, le mec qui est dans le bâtiment, parce que c'est le genre de truc qu'on regardera pas et qu'on va oublier. Donc, comment on l'a juste à gauche. Je pense que voilà. Tu vois aussi juste à gauche. Ouais, c'est aussi. Ça, ouais. Par contre, je le vois à moitié, lui. Ah, ça, t'en as deux? Ouais. Ah, moi, j'en vois qu'un. C'est. Tu vois le mec qui est dans sa baraque, juste ouais. À gauche. Juste okay. À gauche, à 10 mètres. D'accord. Bon. Au même niveau, en fait. Ils sont au même niveau, ils sont sur un genre de truc en hauteur. C'est bizarre. Ouais, de passerelle, là. Les hommes se déplacent dans tout le village, hein. Surtout à l'entrée ouest. Frog, t'as entendu? Ouais. Passe l'info. Reçu, Zoulou. Tu veux que je passe l'info à qui? À Tony. Non, j'ai pas entendu ce que a dit Zoulou. Hein. Que les mecs ils se déplaçaient beaucoup dans l'ouest du village. Ah, je les ai, ouais. À l'ouest, 150 mètres dans le village, côté droit de la ville, côté sud de la route. Il y a un d'accord. Groupe d'ennemis qui se balade. Alpha, Bravo, on a un visu sur une patrouille qui est à 150 mètres du début de la ville. 100-022. Tu peux donner des coordonnées ouais. Plus précises en 100-022. Vous avez une patrouille d'une 5 ou 6 ennemis, terminé. Je sais pas si t'avais dit que c'était 5 ou 6, c'est bon. Ouais, si, c'est ça à peu près. Zoulou, est-ce que vous avez en visu et est-ce que vous pouvez tirer pour tuer les mecs qui sont à l'ouest de la ville? Eh merde, on a déjà perdu. Hein. T'imagines, c'est l'espion? Dommage. Zoulou pour Frisbee, pas trop de visibilité, beaucoup d'arbres. Ok, concentrez-vous sur le centre alors. Putain, j'ai envie d'aller grailler un truc, mais. Je suis au cul de la chaise, ça va chauffer. Je vous fais confiance, je reviens. Allez.
Putain, voilà, maintenant qu'il en parle, moi aussi j'ai faim. De mémoire, on n'a jamais tiré au la T4 ou M136 dans les soldats. Non, mais ça doit faire du dégât. Ça doit être bien là, parce que tous ceux là, les 8 là, boum. Ouais, mais attends, ils sont vachement loin, il va falloir que je vise vachement haut quoi. Et puis, s'il y a le médecin à côté. Ouais, 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 voilà. Ouais, mais on n'a pas loin. Re. On n'a pas la distance précise en plus. Si belle, T4, si au début c'est bon, mais. Après, ça retombe vachement, je trouve. On pourrait les abattre à part. Hein. Dur. Vas-y. Pu. Bah, t'as juste une question là, dans ton. Frisbee, pardon. Ouais. On attend quoi là? Hein? On attend quoi là en fait? Bah, que ça bouge. Je suis pas le commandement. C'est Olipro qui commande. Le commandant, c'est un flanc. Il attend sûrement que ça pète et que s'il y a vraiment des soucis, on attaque par l'ouest. Hein. Bon, c'est ça le. C'est ton pote qui commence à s'ennuyer, c'est ça, Gift? J'essaie de revenir. Non, moi aussi. Frisbee? Ouais. Elle est où ta patrouille d'assaut? Ah, attends. Devant. Vas-y, mute. Comment non, j'écoute. Oui, ok. Mandarine. Zulu a frisé pied par là, il est pas si qu'on se déplace, les gens sont revenus au centre, mais. Tu l'as entendu ou pas? Ça bouge, ça bouge. Ça bouge, les 10 mecs bougent. Ok. Bon bah, feu. Bon, bah, on tire. Zulu, si vous pouvez engager, engagez. Touché. Qui a dit touché? Qui a dit touché? Négatif 1. Ah. Vous avez Zulu, vous avez un mec à terre? Bon bah je peux pas revenir, désolé. Gift, faut que tu rejoignes le groupe d'assaut. Tu fais gaffe quand même. On va plus rien avec les smokes là. Sur la smoke, Gift. Zulu, on vous envoie le médecin. Ici, il a pas bardé. Zulu, il faut vous replier derrière la ligne de crête. Repliez-vous derrière la ligne de crête. Faites du CPR sur le mec qui est descendu. Ça bouge là. Ok, bien reçu, je répète les ordres. Il faut que le groupe d'assaut se rapproche le plus possible du village et aille supporter. On peut pas. On peut pas. On peut pas, on est un homme à terre, faut attendre. Bravo, Alpha. On peut pas, on est un homme à terre. Restez pas accroupi sur la ligne de crête. Voilà, c'est bien. Il en manque un chez Zulu, non? J'en compte que 3. C'est sûr, il est parti. Ici, Alpha parle. Fennec? Non, non. Te manque pas un homme? Ok, bien reçu. Vous êtes 4 et vous avez Medic, ça veut dire qu'il manque un autre. Il y a le commandement qui. Ouais. Il y a le commandement qui veut qu'on bouge sur la ville, enfin au moins le groupe d'assaut bouge sur la ville. Ok. Nardo. On les rejoint, tout le monde. Ok, tout le monde. Et on y va.
On les appuiera de là-haut. Ici Alpha à commandement, on rejoint le groupe d'assaut sur la colline et on avisera là-bas. On va les supporter pendant qu'eux vont attaquer la ville terminée. Oh, pas de course, pas de course, double. Ah, pas de course, n'hésitez pas là, de toute façon. T'as pas l'orage, c'est trop fatigué. Y'en a un par terre les mecs, y'en a un par terre. Non mais il est mort, cherche pas. Ah, il est mort, ok. C'est qui? Froggy. Il va être dégoûté lui. Groupe de support, redéployez-vous en ligne, juste sur la ligne de crête. Groupe d'assaut, préparez-vous à devoir rentrer dans la ville. Ça tire sa race. Ouais, je te suis pressé. Oh, oh là là. Couchez, tout le monde couché. Frog ? Oui. Passe à commandement que c'est chaud pour nous, on va pas réussir à bouger tout de suite. Tu peux répéter ? C'est chaud pour nous, on peut pas bouger tout de suite, passe à commandement. D'accord. Ça va ? Checker les bâtiments, hein. Ça doit venir des bâtiments. Ou pas. Alpha à commandement, on peut pas bouger de notre position, on a rejoint le groupe d'assaut, on est sous le feu ennemi, on peut pas bouger pour l'instant, terminé. Fennec, 140. Fennec à rigueur qu'on tourne un peu par le nord, reprends ton équipe, remonte un peu vers le nord et attaque par le nord-ouest. Par Zulu avec moi, on retourne sur le nord là. Putain, il est où ce con? On va les contourner par, par l'est. Te lève pas, hein, Ouais, non, mais je. Confond du Zulu avec quoi. Frog, pour commandement, il doit y avoir un sniper du côté sud de la ville, on n'arrive pas à le voir, il y a la ligne de... d'arbre devant nous. Ok, bien reçu. Alpha commandement, on a un sniper qui est au sud de la ville. Et est-ce qu'on pourrait avoir les positions de Bravo s'il vous plaît? Terminé. Ah putain, évidemment. Ah, touché. Gif. Ok, bien reçu. Je vais faire ton taf. Donc Bravo, ils sont... Ils sont divisés en deux équipes, ils sont à 150 mètres de l'entrée du village, à l'est, quoi. Kedrin et Raven, vous avez un mec qui est à peu près à, 105, à l'azimut 150-160. Première baraque. T'es en train de me faire un bandage, là, Gift, ou... Tu me fais quoi? Ok, bien reçu, je transmets, on se tient prêt. Terminé. Bandage. Tu fais pas le... l'animation du... Ah ouais. Putain, c'est bizarre, tu fais pas l'animation. Parce que... Bon, y'a... Écho, repli. Raven. Gift, je saigne encore. Ouais, Fritz, je disais, y'a le... Non. Il y a le commandement qui veut qu'on fasse une attaque par le nord quand il donnera l'ordre. Zulu, votre position, à peu près approximative. Tu veux me faire stead ou on fera ça après? Non, pop, non, c'est bon, Gift, merci. Fennec. Ok, progressez vers les premières baraques, tenez position là-bas, attendez l'ordre du commandement. Ils sont en première baraque en 125. J'ai pas précisé première baraque plein sud par rapport à votre position. Pour voir si avec le...
essayez de reprendre votre position de support, Kedrin et Raven. Ok. C'est qui le troisième normalement dans le lot là? C'est moi, Leclerc. Ah, Leclerc, excuse-moi, je t'oublie chaque fois. Bien reçu, néanmoins, avec, en fait, on a envoyé une équipe d'assaut au nord du village, ils sont à peu près en 102-26, 102-25, et vont se positionner ici en attente d'ordre terminé. J'ai vu un courir à 6 roues, je vais le défoncer. Oh! On prend la position autour du groupe support. Ok, terminé. Bon, le commandant est content de la position du groupe Zulu. Ok. Donc voilà. Je pense que c'est Bravo qui s'est allumé là. Je sais pas dans quel sens, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est des tirs qui viennent de la droite vers la gauche, donc c'est eux qui tirent, ouais. J'ai l'impression. Ouais. Ah ouais. Vous avez Bravo qui est... Je les ai vus, ouais, j'en ai vu un. Tu les as vus? Ok. Qui est azimut 165, ouais, voilà. Tout au fond contre le mur. Je sais pas pourquoi j'ai plus de sang à moi, c'est énorme. T'as plus d'eux? J'entends plus les balles, j'entends plus rien. Ah ouais? Ouais. T'as mis à jour quelque chose dernièrement? Non. Oula. Putain. Il y a un mec derrière l'arbre azimut 130, ouais. Décalez-vous, sniper et mitrailleuse. Par contre, le sniper qui tire pas couché, j'aime ça moyen. C'est la seule, c'est le seul pour moi de les voir. Sans prendre trop de risques. Ah ouais. Dans la baraque. Dans la maison. Raven, dans la baraque. En 130. Bâtiment 130. Négatif. Non, 135. Il est rentré dans le bâtiment. Frog, tu peux demander au commandement ce qu'on doit faire avec Zulu? Celui où il y avait le... Tu peux répéter? Il y a déjà des cadavres dedans? Qu'est-ce qu'on fait avec Zulu? Demande à commandement. Ouf okay. Le 135, ou celui qui a... Ok, je vois. Qui a reçu. Tombé. C'est bon. Il y a une arme sur la route, hein. Ouais, frisbee, on est dans la maison blanche que tu voulais. Ok, bien, attendre commandement pour l'instant. Attendre des ordres du commandement. On a combien de mètres à peu près là? 200. Ok. 200, 250, ouais. Oh, ok, bien reçu. Vous donnerez l'ordre de l'assaut. Terminé. Ok, bien reçu, je donne l'ordre. Terminé. Donc, il veut qu'on se place en 102-025. Nous aussi? Bon, on y est. Alors déjà. Alors que non, l'équipe d'assaut Zulu se déjà place en 02 en 102-025, pavé numérique 1, et qu'il fasse un assaut coordonné. Zulu, vous pouvez attaquer. On a perdu le médic. Et puis, tu peux dire à Frog qu'on a perdu le médic. Ça suffit. Ça, ça fait chier. Alpha à commandement, on a perdu le médic qui est une perte de connexion. Et Ça claque. Zulu commence à attaquer l'objectif, terminé. Je l'ai. Il y a Zimut 135, il est allongé. Est-ce que Zulu commence notre invitation à attaquer l'objectif, terminé? Ah, mais non, mais ils sont partis de toute façon. Froca. Tu l'as eu, Kedrin? Ouais, dans la tête. Impeccable. Pas si mauvais en sniper alors. Ah, il veut donner l'ordre avant d'attaquer qu'ils attaquent. Zulu standby. Je croyais qu'il fallait y aller. Zulu reçu. En fait Bravo est à 50 mètres de l'objectif et il veut quand ça passe synchroniser deux assauts quoi. Bah on est à 100 mètres nous. Ouais. Ah, ça fait chier de perdre le. Le médic, ouais. Je suis sûr, il faut. Oh. Ah, c'est gift. D'accord, t'es, j'ai eu peur. Non, c'est même pas. Ah, vous occupez pas, Raven. Occupe-toi de ton taf. Non, mais en fait, je croyais que c'était toi, en fait, Frisbee. Ah.
Bon, vous avez plus le droit de mourir, hein. N'empêche, hein. Faites gaffe. Par contre, il y avait tout le stuff médical, putain, on aurait dû récupérer. J'en mets un tout petit peu sur moi, là, dans mon sac. Ouais, vite fait. Ouais. J'ai un bandage en rab. Bah, j'ai les deux trucs de base et deux medikits. Ah, il nous a simulé une déconnexion, Gift, à mon avis. Ça le faisait. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Il y a un reboot sur box. C'est sûr. Bon, bravo, attaque dans deux minutes, normalement. Il a jamais eu des déconnexions. Mais il est deux fois sur TeamSpeak, là. Il est deux fois son pseudo, ah bon là. Gift, Gift. Ouais. Ah non, alors il a vraiment peut-être eu un problème. Alors, on l'entend pas, il voilà. Il est où, Gift, Gift? Je le vois pas, moi. Non, je le vois pas, Gift. Non, non, non. Ah ouais? Ah ouais, non. Bon, bref. Ah bah, concentre. On va avoir un latent sur l'overlay. Hop. Oh purée, mais c'est encore plus long qu'avec Aku. Mais c'est Aku qui lit Bravo et c'est Bravo qui se fait attendre là. Ils ont besoin de 3 minutes pour se mettre en position là. On passe à commandement, c'est un peu long là. Les 4 ils sont en train de ramper là, ils sont azimut. Je vois une tête plein sud. En bas du technical, il y a une tête qui dépasse. Ça c'est l'ennemi. Ah ouais, non, t'as raison. Bon, passe ces infos qu'on commence à se faire chier, qu'il serait bien qu'ils attaquent un peu, bande de lopettes. Tu me fais engueuler quand même. Oui, c'est vrai. Oh, attends. Je dis pas. Bah, mais regarde, ils sont dans la maison, ils. Putain. Okay. J'ai entendu Gift, je sais pas quoi. Quoi? Ouais, non, mais j'ai dit, il a qu'à dire que c'est Gift qui l'a dit. Ouais, comme pas là pour se faire taper. Ah, par contre, j'ai vu un. C'est super réaliste, mais j'ai vu un pied qui dépasse au 140 dans le bâtiment avec les bords bleus. Avec les bords bleus 140 ouais, ah, c'est qui dépasse, c'est pas haut. Ah, oui. Qui rampe, putain. Ah, oui. Oui, oui, ouais. Oui, 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 oui. Bah, il y en a. Il y en a sur le toit. Oh, c'est l'un juste en haut. Sur le toit, sur le toit, sur le toit. Tombé. Tombé. Oh, il est mort bizarre, lui. Il y a un mec qui rampe tranquille à la porte là. C'est des coquins ces talibans. Non, je suis fier de vous pour l'instant, vous faites un bon travail. Tu tires sur quelque chose toi? Non, je règle ma mire. Hop. Non, c'est avant de tirer qu'on fait ça. C'est carton jaune hein, ça, hein, normalement. Ouais, pardon. Si, j'ai même pas entendu le tir. Hein. C'est... Ah mais comme j'ai un son que... Bon, froc à commandement, de on se gèle les couilles ici. Je suis sérieux, hein, oui, en plus il pleut. Ah, ils ont toujours pas bougé. Oh ici Alpha, parler, terminé. Tu peux leur dire que c'est complètement clear. Ici Alpha, parler, terminé. Ok, bien reçu, donc on fait un assaut dans 45 secondes oh, putain, et on y va plus lentement parce qu'on n'a pas de bière. Et dites à Bravo que la ville est clear, qu'ils peuvent avancer assez rapidement, terminé. Oh putain, c'est pire que la vieille, les mecs dans 45 secondes. Pas une de plus, pas une de moins. Zulu à Frisbee, rapport. Ouais, j'ai dit en langage diplomatique. Vous pouvez y aller, allez sur l'objectif, récupérez-moi ce docteur. Et avant Bravo. Zulu reçu. Je sais même pas où il est. Mais... Est-ce qu'elle est vraiment là-bas? Elle doit pas être là-bas pile poil, elle doit être sur l'ensemble de la ville, non? Ouais. Oh il va leur fouiller toutes les baraques quoi. Ouais, je pense parce que le point ça indique le centre de la ville. Un truc entre deux routes quoi. J'espère que le machin qui rampait c'était pas le médecin hein. Parce que sinon. Bah sinon il a pris cher. Ouais. Non mais c'est censé être une femme apparemment. Ouais, regarde. Et d'ici t'as vu s'il avait une paire de boules ou pas quoi. Ah non, mais j'ai vu qu'il avait une turban autour de la tête. Il avait une arme de toute façon.
Ok. Il avait le turban autour de la tête donc. Bon. Ce serait bien qu'on se redéploie un petit peu. Qu'est-ce qu'il a emmené lui? Tu fais n'importe quoi mec. Mais non, regarde, c'est une scope, c'est vachement bien. Bon, Azimut 110, on se redéploie un petit peu par là-bas. Ok. Les gens, Azimut plein sud, il y a des mecs à droite du pick-up, ça doit être. Ouais, ouais, c'est bravo. C'est bon, Echo, on. Azimut 110, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah suivez-moi, je vais vous dire où est-ce que je veux qu'on aille. Ici c'est Kawaii. Bon, oh de à droite de Raven Kedrin à gauche et le reste regardez devant vous là, plein sud. T'as, ils ont tué un Kleps. Foiré. Je crois qu'il y a un bravo là qui est sur le toit Azimut 150. Ah ouais. Ok, contact. Ah, c'est un bravo, hein, c'est bravo, c'est bravo. C'est bravo ou c'est Zulu? Ah je sais pas. Faites attention Zulu hein, il y a des mecs dans la ville. C'est quoi qui tire là? Je crois que c'était des mecs amis. Hein. Ouais, il y a un amateur de chez eux. Je le vois là. Il est Azimut 145. Et là où il y a la fumée, voilà. Pile là où il y a la fumée. Ok. Ah, exact. Fennec, si tu vois la fumée, allez porter assistance à Bravo. Et les tirs c'était plutôt plein sud, un truc comme ça. Ça venait de 200, 240, un truc comme ça. Hein. J'ai. Enfin, je sais pas. 100, 140 carrément. Ouais, je crois. Hein. J'ai vu des tirs. J'ai vu des traçants de très très loin. Moi. Oh bah, c'est groupe à Fennec en fait. 190, non c'est des alliés, je crois. Fennec. C'est du tir allié ça. Hein. Vu comme ça a tiré, c'était bizarre, ça fait ta 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 ta. Ouais. Si Fennec est mort, ce serait bien qu'un de ces mecs prenne l'initiative de répondre à radio. Frisbee, t'as entendu Fennec ou pas là? Je l'entends jamais. D'accord. Il te parle depuis tout à l'heure, on a reçu, on y va. Ok, d'accord, ça marche, merci. Oh! Il est pas muté sur ton TS? Je vais regarder. Bah si, il est muté parce que il est loin, mais... C'est eux qui sont dans la grosse maison, là? En face? À gauche. Normalement, il doit pas être muté, hein. S'il a porté de radio, tu peux l'entendre. Ah ouais, c'est vrai, non, il est pas muté. Donc c'est eux qui sont fait tirer dessus, vraisemblablement par Bravo, quoi. Vas-y, 1130, il y a des potes encore. Non, nous, nos mecs à nous, ils sont 120, et les mecs à Bravo, ils étaient sur ce film. Ah d'accord, ok. On l'a vu, c'était du tir à lui. Ah oui, je les vois Zulu là. Bah 185 là, il y en a, ils viennent de descendre là. De quoi, Ami tu veux dire? Ouais, ouais, j'ai que c'est eux. Ah ouais, devant nous. Ouais, ouais c'est eux, ouais. Fini chez la vieille. Il y a, ouais, Zulu, je les ai vus, ils sont Azimut 135 là. Entre deux maisons. Ouais. Ah, ils butent les Kleps quoi! Ah, ils ont. C'est qui qui bute les Kleps? Les gros bâtards! C'est qui? C'est la bande de cowboys! Froc, pour commandement, qui bute les Kleps? Et est-ce que c'est un tir autorisé? Ouf! Je déconne pas! Alpha à commandement, est-ce qu'on a le droit de tuer des chiens? Terminé! Et puis c'est un mec qui se bat tout seul, j'aime pas ça. Ouais, il y avait qu'un T4. Bon, en gros, ils sont fous parce qu'on manque de bouffe à la base. Voilà. C'est beau. Ok, bien reçu. Non, il est tout seul. Il est sérieux là? Non, il est sérieux, ouais. Tu peux demander à Alpha pourquoi il y a un mec qui se bat tout seul à tuer des Kleps? À coup, il répondra quoi à ça? Oh, on va retirer là. Attends, je transmets. Ouais. Dieu la femme. Alpha, bravo, on voit
plusieurs de vos gars qui se baladent tout seuls en tuant des chiens. Est-ce que c'est autorisé? Terminé. L'arme qui vient de tirer là, c'est la même arme qui a tiré tout à l'heure sur les aliens. Justement. Ah, il tire sur quoi? Peut-être un espion. Oui, et s'il se trimballe tout seul et qu'il bute un peu tout ce qui bouge, ça craint. Ah non, ils sont là, deux. Il là, est... ah non, ils sont deux. Ils se baladent, mais n'importe comment dans la rue, quoi. C'est après, c'est Miami, quoi. En sprintant, quoi. Je vois pas les noms à cette distance. Hein. Non, moi non plus. Fennec, tu nettoies toutes les villes qui sont plein est. Toutes les baraques, je veux dire. En 65, il y a un mec qui se de loup pour frisbee reçu. Putain. Il y a un mec là qui se balade, c'est ami ou ennemi là? Ouais, non, non, c'est alors, ennemi. Non, c'est ennemi. Je crois que pour Alpha, il y a un mec qui se balade sur l'ancienne position de la fumée. Ennemi. Ah, j'ai failli la battre lui. En Alpha, 145. Bravo, on a repéré un ennemi à l'ancienne position de la fumigène tout à l'heure. Terminé. Dis à ceux qui sont sur le toit là, faut qu'ils fassent gaffe. Hein. Bah ça on peut pas leur dire, hein, faut qu'ils passent les infos. Prêt, ici oh Alpha, il nettoie toutes les maisons qui sont à l'est de l'objectif. Terminé. Putain c'est con qu'ils doivent se taper sur des baraques quoi. Ok bien reçu, terminé. Putain même, donc... même avec tout le monde dans la ville quoi, y'a un mec qui a réussi à filtrer quoi. Y'a le commandant du coup qui dit qu'on continue comme ça, blablabla. Voilà. Non, Frock, faut que tu restes avec moi. Le groupe support, à la rigueur. Oh allez fouiller, je pense pas qu'il... Attends. Fennec, est-ce que vous avez fouillé les baraques, là, quand vous êtes descendu du nord? Est-ce que vous avez profité pour fouiller les baraques ou vous êtes passé à côté? Zulu pour Frisbee, exact, on les a fouillés. Après, peut-être dire si on les a toutes fouillées, je sais pas, mais oui, on en a fouillé pas mal. Ok, reçu. Bon bah non, restez là. A priori, on les a toutes fouillées. Ok, ça marche aussi. Ouh. Qu'est-ce qu'ils font les deux keks sur un bâtiment là? C'est l'horreur de la guerre, ils sont perdus. On a du lourd quoi. Ah j'ai horreur de trouver les choses dans les bâtiments, ça prend un temps fou toujours. Et encore c'est une ville réduite ça. Trop ouais. Oublier qu'il y en a toujours oh qui gambade. Putain, mais lui. Ennemi, tu veux dire, ouais, l'ennemi qui gambade. Ouais. Je sais pas où il est. Ouais. Là, il y a entre Azimut 140 et Azimut. Putain. J'ai dit tonnerre. 160. J'ai dit tonnerre. Je suis moi, le grand soleil. Fort, hein. J'ai failli te buter, moi, comme je suis retourné. Esby. Ouais. Je vois à propos de le contre-espionnage. Quoi? Au pot de contre-espionnage, il faut que je te parle. Ah tu m'as démasqué. Alors, faut qu'on s'éloigne. Il faut qu'on s'éloigne vraiment parce que c'est très très. Bon, c'est bon. Non, je crois pas, non. Je les entends encore, donc. Non, mais je les entends encore, donc ils m'entendent. Bon, peut-être pas tous, mais. De toute façon, c'est pas très grave s'ils nous entendent. Okay. Je voulais éviter les radios. Toi, c'est moi qui t'ai nommé chef, mais Azug. Aku. C'est lui qui s'est dévoué. Oui. Où j'ai eu le temps de penser d'un rocher, peut-être qu'il. Oui, c'est une possibilité. Oui, parce qu'il a un intérêt à cela. Tout à fait. Voilà. Je sais. Non, c'est pour toi. Je sais, j'y ai pensé, mais le problème c'est que tu peux dire qu'il y a beaucoup de monde qui est suspect, quoi. Mine de rien. C'est pour ça qu'avant le coup du chien, ça me paraît bizarre, et que tu dises rien, ça me paraît encore plus bizarre. Les mecs ils abattent le chien, ils se baladent à poil tout seul là, comme des cons dans la ville. C'est un peu bizarre, non? Ok, d'accord.
C'est vrai qu'il y avait le coup du chien. Bon, on verra. On verra, moi ça m'a pas rendu. Bon. C'est bon ? Ouais, de toute façon, on n'a pas trop de pouvoir sur ça, donc... Non. Donc ouais, j'ai l'équipe d'assaut qui nettoie là tout le sud-est. Je suppose que Bravo s'occupe du reste. On attend leur rapport. Oui, j'ai cru comprendre que ça se passait plutôt bien, c'est pour ça que je suis venu te voir pour ça. Ok, bon, je retourne avec les mises à côté. J'espère qu'il a pas muté le docteur quoi, et qu'il a pas caché le corps à bref. Ouais, je pense qu'on aurait eu un message si le docteur était mort. Ouais. Bah peut-être... Vas-y. Ouais, mais peut-être que si c'est l'espion qui le fait, il y a un script qui fait que le message s'affiche pas. Oh mmh. Ouais, bah on peut tourner encore en rond longtemps alors. Non, parce qu'on disait que tu vois, c'est bizarre que le mec se baladait tout seul dans Bravo une fois là. Froggy déconnecté. Il y a ces deux potes qui sont sur le toit de la maison. Ouais, on a Froggy qui est mort depuis longtemps et on a Gift qui est déco pas inadvertance depuis longtemps aussi. Donc c'est dire Froggy était dans quel groupe? Hein? Il était dans quel groupe Froggy? Le groupe d'assaut et Gift c'était mon médecin. C'est un peu la merde. Groupe d'assaut Zulu ou... Ouais. Okay. Non, écho, ça se trouve en fait c'est un truc débile, genre aller dans une cave, tu sais. Le truc que personne doit vérifier. Mais enfin Bravo, je comprends pas ce qu'ils font là. Ils sont depuis 3 quarts d'heure, ils sont sur la maison bleue, là, ils fouillent rien. Ouais. Il y a un autre groupe qui est plein sud, qui est sur la bouteille de la baraque, pareil, ils font rien. Ils ont peut-être laissé en couverture. Ouais, peut-être. Ouais. J'aime pas ça que la vraie couverture sont pas en binôme. Ouais, mais surtout qu'ils regardent tous les deux dans le même sens quoi. Hop là. Bon bref. Juste un truc quand même, le script va pas faire quand même que l'espion peut changer d'apparence quand même. Hein? Parce que le taliban là, tout à l'heure qui est passé là. Non, je pense pas. Ouais, parce que voilà. Non, je pense que c'est plutôt du TTT quoi. Oh! Bah mais le taliban on l'a pas vu repasser quoi. Je sais pas où il est. Le document derrière quoi. Ouais, ça m'étonnerait qu'il soit arrêté tout d'un coup. Ça se trouve, il s'est mis dans le bâtiment où il y a l'arche, quoi. À droite du bâtiment bleu derrière. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Il doit être dans le coin. Ça se trouve, c'est le bâtiment où il y a la femme, quoi. Ok, reçu. Bah, vous pouvez continuer sur la partie est. Faites attention au groupe Zulu qui est également en train de fouiller cette partie. Ça se trouve, ils ont oublié une maison. Bon, groupe de support, on va essayer d'accélérer un peu la chose et nettoyer quand même toutes les baraques qui sont devant nous, là, qui est 120, 140. Même si okay. Zulu l'a déjà fait, refaites-le. Vous partez tous les trois. Ok, Leclerc, Leclerc devant, Raven derrière. Moi, en dernier. C'est bon, vous êtes placés, les mecs? C'est parti. Oiseau Frisbee, t'as Bravo qui est en train d'entamer la partie est, celle que vous êtes en train de faire. Et puis Frog, on va aussi faire un tour parce que c'est quand même bizarre. Hein. Mmh. On va faire les barrages qui sont vraiment au nord. On va refaire ça. On te rejoint après au lit. Tout à l'heure. Ah, il vient avec nous, il peut pas tenir en place. Commandant, restez en arrière, vous pouvez pas, vous êtes un commandant. Non, mais j'aime pas une fois. Je vais me cacher derrière mon caillou. Ouais, c'est ça. Fais la baraque qui est au 140 là. Ok. Il doit être au 150 maintenant. C'est fait. Ouais. Fais celle d'à côté. Ok. Oh!
considérablement que c'est toi l'espion parce que tu vas pas trouver le médecin. Il y a Echo qui nous a rejoint. Donc Zulu, tout le côté sud de la route est fouillé. Oh répéter. L'est, on a fouillé de l'est, E-S-T. L'est, mais au sud de la route. Oui, oui, c'est ça, oui. L'est, au sud de la route, oui. Putain, la... Alors, refaites un coup, pareil, tout le côté est de la ville, mais au nord de la route. C'est bon, cette baraque? Croc, t'es avec moi? Ah, derrière. Ouais, je suis derrière. Oh Zulu reçu. Zulu pour Frisbee reçu. Ok. Bon. Oh, bon dieu, j'ai horreur de ça, je te dis. Ouais, c'est clair, c'est l'émission. À rallonge. C'est... Bon, faut être méthodique, mais tu sais jamais si t'as tout fait, si... Je suppose que toutes celles-là, elles les ont faites, hein, j'espère. Hein. On peut ouais, les faire ouais. 4 fois. Celle-là aussi, elle doit être faite. On va dire que... Oh ouais, y'a rien là-dedans. La baraque qui est derrière nous là qui est au 50, moi je fais celle là. Ok. Oh il est toujours là-haut. Ah oui, il y a la coup avec lui. Oh coucou. Salut mec, elle est où cette pétasse? Oh, si attends, il y a un espion qui l'a déjà tué ou un truc comme ça. Ouais, bah on va pas tourner en rond pendant 3 ans. Normalement, il y a un truc qui doit au moins nous indiquer qu'elle a été tuée, non? Ce serait pas mal. Je pense. Faut pas tirer. Ah, on a fait tous les bâtiments dans tous les sens. C'est une femme ou pas? Parce que le médecin c'est une femme. Hein. Une femme ça doit se voir. Hein. Même en cadavre, je sais pas. Ouh ouais. On a vidé le village, y'a pas un civil, y'a plus rien qui vit ici. Parce qu'à un moment on a vu tirer un taliban là, plein sud. Ouais. On n'a pas réussi à l'avoir. Et il venait d'une position où il y avait un groupe de bravos. Donc on s'est demandé voilà, si vous l'avez buté ou pas à un moment quoi. Ouais, et bah c'était pas eux. Donc je reste avec vous. Ah, mais Tony, tu peux avertir le commandant qu'on n'a rien pour lui. On avait tous les bâtiments, on n'a rien trouvé. Nous, notre ami Frock. Ok, et on est là, le bâtiment en alpha. Descends. Ah, t'es encore en haut. Ok. Ouais. T'avais fait tous les bâtiments en alpha. Ouais, bah j'ai aucune idée d'où ils sont barrés parce que c'était mystérieux. Ouais, à coup, on a fait tout l'est a priori. Tout, vraiment, vous avez raté aucun? Bah, je pense pas. Hein. Je fais confiance à mon équipe, ils sont quand même 4. Tu peux regarder au sud à coup avec tes jumelles. Ah c'est pas con Minaret. Finition. Ouais. Minaret vous avez pas fait? Bah je sais pas. Zulu vous avez fait le minaret? Un homme vu d'ici mais j'ai laissé une texture pourrie. Zulu pour Frisbee oui on a fait le minaret de fond en comble. La forêt ils ont fait le minaret, putain t'es chier. Oh ils l'ont astiqué le matin. Mais tu peux le refaire si tu me crois pas. Frisbee
Gecko, on vient de refaire le minaret, je confirme. Elles sont au minaret, bon bah voilà. Bon bah écoute. Bon, je vais monter un cran, moi encore. Vas-y, vas-y. Putain, c'est dingue ça, ça me gave. Et planque où cette conne? Bon bah, je sais pas. Et tous les méchants au milieu de la ville, ils doivent être au milieu de la ville, non? Bon bah, je sais pas vous, mais bon, la fille est. Non mais ça c'est fait. Ça se trouve il est blessé, il est à terre. Là il y a un truc, je sais pas. Ah peut-être ici. J'essaie de monter ici. Ouais tu l'as fait ça. Ouais je l'ai fait ça, c'est pareil. Tu l'as pas ce moment là, je le connais, celui qu'on a fait tout à l'heure. Moi c'est bizarre. Hein. Peut-être qu'il y a un bug. Ah oh, mais j'entends quelqu'un qui parle, ça m'énerve ça. Ouais, c'est bizarre, j'entends. Où est-ce qu'il est ton mec qui parle mais... Ouais, j'en sais rien en plus. Il parle pas vraiment, il fait... Tout à fait. T'as fait dingue. J'ai Fabi. Ah, ça, non, c'est tous les bâtiments sont là, on les a fait plusieurs fois. Hein. Ouais, ouais, mais vous êtes deux espions, je suis sûr. Donc je vous fais pas confiance, je le refais. Ça marche. Eh, mais on est pas tous des espions, oh ici, c'est bon. Hein. Non, je sais que j'en suis pas un, donc je refouille. Non, mais c'est quand même dingo ça. Silver, il l'a planqué dans un endroit farfelu. Il serait bien capable ce con là, non? Peut-être qu'il l'a pas juste mis dans une maison, peut-être qu'il l'a vraiment planqué dans un endroit dur à trouver. Elle dit quoi, elle dit quoi le boyfriend? Ouais, quand même, il est pas aussi vicieux. Putain. Ah ouais, putain. Oh quoi? Bah putain. Ah putain comme ça. Ça fait chier en plus, on va dire que la mission. Ouais. Comment? Alors Zulu à Frisbee, y'a quelqu'un qui nous prend pour un con. Pourquoi? A priori on a tout fouillé. Ah tu veux dire que Silver il a pas mis de machin et on va passer encore 5 heures à tourner en rond? Là, non, monsieur Akun, j'ai demandé de mon propos appui, mais imagine il a mis une charge. Je veux pas dire, c'est le moment rêvé pour l'espion de but. Ouais, ouais, clairement. C'est quoi? J'ai sauté la charge. Bon, ouais. Je suis très en colère. Je veux si cette nana, je le veux. Bah, ça tombe, la nana, elle est pas dans le baraque. Peut-être qu'elle est cachée ailleurs, mais ça m'étonnerait. Elle peut être dehors, simplement. Je suis pas content. Bon. Donc, elle bronze et tout. Elle sera divisée par deux cette semaine. Ah, ça fait peut-être chier, que c'est hein, un IA à la con et que quand il y a eu des tirs, elle s'est enfuie. Ah, peut-être, ouais. J'ai non, je pense pas. Je pense... Sinon, on aurait eu une mission échouée, quoi. Il m'a eu à côté de moi. Tiens. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est ça, 3 fois qu'il s'est fouillé.